this song. It goes a little bit like this. Esa la tengo buenísima. Joder, Doral está contento, ¿no? So yeah, I've been using the Grigri for 15 years. It's kind of embarrassing, but I'm kind of scared to belay without the Grigri. Llevo usando el Grigri desde que empecé a escalar y es el único sistema de aseguramiento que he utilizado y creo que es el que con el que me quedo, ¿no? Siempre me parece súper cómodo, sencillo y eficaz, ¿no? Yeah, I'm really psyched about the new Grigri because it's just smaller, more compact. You know, it's really nice that you can climb with thinner ropes too, because that's really important for me, climbing with a skinny rope. Most of the time I climb with between a 9.1 and a 9.6 or something like that. Me gusta más el 9.7. Es ligera y es un poco más segura, creo. Aujourd'hui, les grandes voies extrêmes, la difficulté elle est vraiment, vraiment haute. Pour grimper sur un niveau très haut, genre Alibaba, il faut que tout soit parfait. Et aussi niveau matos, il faut qu'on soit le plus léger possible. On grimpe avec une corde simple et on assure avec un grigri. Le grigri 2, il est parfait pour ça, parce qu'il est petit, il est léger et ça te permet d'être encore mieux. To have this new grigri that works on this size rope is really key for me. And it's also really nice, the new one, it has a really nice smooth lowering action, so you can really control the open and closure of the thing. Allez. For sport climbing, it's so good, the Grigri, because when you're trying a project and you're falling over and over again, and you're hanging, and it can be really tiring for the belayer. Sí, porque puedes trabajar mucho los movimientos, y el compañero que asegura puede de vez en cuando relajar. Con el 8 siempre tienes que estar con la tensión de estar con las manos apretando bastante fuerte, ¿eh? Y no puedes trabajar la vez tanto tiempo con un 8, ¿eh? Acabaría igual, el compañero acaba muy cansado, ¿eh? Con el Grigri es una ventaja, ¿eh? Especially with this new Grigri, that it really gives you a lot more control with the lowering action. So you can really be more precise with that and lower them just at the right speed that they need to be lowered. That's really key too. Oh man. You know, for me, I still take it very seriously who belays me. You know, I really like to have that connection with my belayer and know them and know that they're really paying attention. And just having a personal connection that they know my climbing style, they know how to read my movements, and they can really, you know, follow me closely and give me the right amount of slack at the right moment. You just kind of have this intuitive connection. Wait. It's not finished yet. Steve, come on. Hi guys. Salut à tous, je m'appelle Steve McClure. Quand vous achetez un assureur, avez-vous déjà pris le temps de jeter un œil sur cette notice? Elle est remplie d'informations, mais atterrit la plupart du temps direct dans la poubelle. Prenez donc un peu de temps pour la parcourir. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Premièrement, soyez attentifs. Plein de choses se passent en falaise. Les gens grimpent beaucoup, il y a plein d'activités, mais regardez toujours votre grimpeur. Ensuite, tenez toujours la corde du côté freinage. Quand vous grimpez longtemps, c'est assez facile de se laisser distraire. Vous pouvez assurer pendant des heures, mais c'est vital de tenir la corde. Si vous avez froid aux mains, vous pouvez les mettre dans vos poches. N'essayez pas d'attraper une tasse de thé ou autre, tenez toujours la corde du côté freinage. Troisièmement, faites un nœud en bout de corde. La plupart des accidents en escalade sont dus à une corde trop courte. En tant que grimpeur, vous avez la responsabilité de vérifier s'il y a un nœud au bout de la corde. Ok. Mise en place de l'appareil d'assurage. Faites bien attention à faire passer la corde dans le bon sens. Enfin, avant de commencer à grimper, pensez à contrôler votre partenaire.
Regardez si le grimpeur est bien attaché et si vous êtes prêt à l'assurer correctement. Il y a plein d'autres choses à faire avant de se lancer, mais assurez-vous de respecter au moins cette procédure. Si tout est OK, alors c'est parti. De l'autre côté de cette notice technique, vous trouvez les techniques d'assurage. Le gris-gris doit vraiment être utilisé comme n'importe quel appareil d'assurage, de la même manière qu'un